Madame, Monsieur, bonsoir. J'ai une solide équipe. Nadia Selkal, bonsoir. Bonsoir. Ayel Comper, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec une certaine émotion, Gabriel Gallion, ça va bien? Très bien, Gérard. Comment commence l'année? Très bien. Alors, comment vaut-il que vous me fassiez l'honneur de revenir à mes émissions? Vous n'êtes plus fâché avec moi? Je n'ai jamais été fâché avec vous, espèce de malotru. Ça commence bien, Ça ça commence commence très bien. très 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 bien. Simplement, c'est que vous avez décidé de faire un certain nombre d'horaires qui me Pendant que posent vous des me parlez, problèmes. regardez comment on vous honore, regardez l'écran. Regardez, vous pouvez regarder, vous n'êtes pas filmé. Quoi, c'est Gallion qui est en fuite avec Non, un ballon dans le non, non, c'est Voilà. sans journal, sans magazine, trois centimes, tabloïd, couleur et tout, bon journal. Mes Voilà. félicitations, le journal est bon ces jours-ci, n'est-ce pas, Eddy? Salut Eddy. Il a toujours été bon. Il a toujours été bon. Il y a Simplement, eu... la relecture est parfois un peu difficile, mais il a toujours été bon. Il y a des pépites dans un journal, il y a des tu pépites. M'expliques la relecture après. Oui, la oh, lecture ça tout court. Fait... Non, sûr, la relecture. Vous allez régler vos comptes de spécialiste de la presse hors écran. On va parler d'une chose qui me... Qui met, un petit... 5 minutes, hein, pas longtemps, parce que c'est pas le rôle du kiosque de rentrer dans les Milan et dans les histoires, mais c'est quand même cette position que la France a maintenant d'une première dame qui est hospitalisée parce qu'elle est répudiée. On ne restera pas longtemps là-dessus. Hein. Et qui est ou n'est plus ou n'est pas première dame. Ça repose la question du fameux statut de la première dame qui n'existe pas en France. Donc finalement, la compagne du président se retrouve hospitalisée parce qu'elle apprend dans une presse people, dans un tabloïd, qu'elle serait une femme trompée. Les gens avertis disent que c'est la prise de la bouche de son concubin, le président. Ouais. Enfin, peu importe, ça change ça pas change rien. grand-chose, c'est plutôt la réaction qui finalement officialise quelque chose qui aurait pu être du domaine de presse pas honnête. Mais on se retrouve dans une situation qui est un petit peu ubuesque, un peu étrange. Elle est hospitalisée, finalement c'est à la pitié. Moi j'ai envie de demander qui paye l'hôpital. Et puis elle est hospitalisée, pourquoi? C'est qu'une histoire effectivement épuisée très privée qui se retrouve... Épuisée par la tension nerveuse. L'intention nerveuse. C'est ce que... Donc c'est finalement c'est dur d'être une première dame. Est-ce que c'est un fait qui pourra obérer quelque peu, ternir, parce que ça se passe très bien pour le président Hollande qui a été de façon assez puérile et infantile capté par le journaliste de Closer avec un casque pas attaché sur un scooter. Ça c'est un petit côté un peu ridicule, un petit peu nunuche, mais est-ce que c'est pas ça, cette maladie prolongée de cette première dame, entre guillemets, qui risque Daniel, qui risque de porter atteinte à véritablement son image de marque. Moi, je ne crois pas, parce que son image de marque, comme tu dis, est déjà largement écornée depuis longtemps. Ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. Ce n'est pas là-dessus, ça va se régler d'une façon ou d'une autre. Hein. Bon, ça n'est jamais que la deuxième ou la troisième compagne du président qui est mise sous les feux de l'actualité. Ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. On l'attend sur l'économie, sur le social, sur des choses comme ça. Sur le chômage. Voilà, le chômage, bien sûr, la compétitivité des entreprises, etc. Bon, moi, ce sont des épiphénomènes, bien sûr. Alors, comme c'est de la presse people, la presse de, j'ai presque envie de dire la presse de caniveau, je pèse mes mots, évidemment, ça fait le buzz partout, mais ça ne semble pas l'essentiel, vraiment pas. Oui, M. Gallion, lorsque M. Copé dit que c'est désastreux pour l'image de la fonction présidentielle, et qu'on parle soit de Dieudonné, soit de ça, et que c'est une leçon d'humilité pour M. Hollande, et que quand on se rappelle de sa liste des moins présidents, ben, ça le ridiculise, ça tombe dans le vide, ça. Ça tombe d'autant plus le vide que moi, je, sur cette question, je m'intéresse sur notre rôle et notre métier. Oui. Et il y a une tribune qui a été écrite par un rédacteur en chef, François Dufour. Et il y a des choses très fortes, juste de trois phrases. La liberté de la presse est un droit, dit-il. Mais les journalistes ont des devoirs. Premier devoir, faire du journalisme. Deuxième devoir, respecter la loi écrite et éthique. Est-ce qu'il y a la vraie question, est-ce qu'il y a une vérité de modification en politique publique de manière qui est très prépondérante dans l'affaire qui tous on évoque. Mais ça relève de sa vie privée, totalement de sa vie privée. Il y a un devoir, je vous laisse un devoir, faire du journalisme. Il y a un devoir, deuxième devoir, respecter la loi. Dans la loi, c'est il y a une loi. La loi est enfreinte. La loi, le respect de la vie privée des gens et des autres. Est-ce que
l'affaire de M. Hollande avec Mme X ou Mme Y a un impact sur la vie publique? Est-ce que ça a un impact sur la politique publique? Est-ce que un impact sur la vie des citoyens? Tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que, les politiques sont restés quelque peu silencieux. Donc, le commentaire, revenez à la question initiale, le commentaire de M. Copé. Bêtise. Eh bien, c'est de la bêtise totale. Je pense qu'en ces jours-ci, M. Copé a beaucoup plus de matière à faire de la politique réelle par rapport au schéma économique proposé par le président Hollande que de... Lorsque Mme Joanneau dit que cette attitude n'est pas digne de chef d'État, bon, c'est pareil, c'est de la même couture qui a été dit auparavant par Copé. Mais lorsqu'elle dit quand même que Hollande a pris un risque médiatique, c'est vrai, dans le contexte, c'est vrai, techniquement, professionnel, il a pris un risque médiatique en sous-estimant la fonction perverse et non éthique et indigne de la presse. Mais enfin, il a quand même pris le risque. D'une certaine presse, comme on dit. Mais ça existe, elle est là, c'est une réalité. Le problème, c'est qu'on en parle. Mais non, mais attendez. Laissons la poubelle à la poubelle. Non, on peut. En faisant notre péché correctement, en se respectant. Le problème, Gabriel, c'est que si tu appliques ce que tu viens de dire, tu retires des tonnes de pages au Monde, oui. Au Figaro. Faux, pas au Monde. Le Monde a fait. Le Monde a tartiné là-dessus. Le Monde a tartiné. Ah oui, tout le Monde tartine. D'ailleurs, le Monde continue. Quand tu... non, pas dans l'édition d'aujourd'hui, il n'y a rien dessus. Raté. Ah non, mais attention, le Monde, c'est à la fois le papier et l'Internet. Sur l'Internet. Je parle du papier, l'Internet, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas l'édition. Oui, mais il y a eu beaucoup. Non, mais il y a eu beaucoup. Par contre, sur la conférence de presse, sur la politique, là, il y a du bon boulot. Il y a du très bon boulot. Dans le compte rendu de la conférence de presse, il y a un truc sur très belle. Je pense qu'il faut aller au-delà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut qu'on accepte l'idée que tout, maintenant, est sur la place publique. Ouais. Et les hommes politiques... Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais attention, c'est pas malheureusement. C'est une réalité contre laquelle on ne peut pas se battre. Je ne suis pas d'accord. Pas malheureusement. Puisque qui a fait en sorte que ça soit sur la place publique? Les hommes politiques. C'est pas la presse, oui. Ce sont les hommes politiques. Oui. On va y venir pour chacun d'entre eux tout à l'heure. Non, mais attends. Justement, il en parle, notre collègue. Non, mais c'est intéressant. Il en parle là-dessus. Vous êtes le débat. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'à partir de nos trucs poubelles, on peut aller plus loin. Quand un président de la République quand un président de la République fait une conférence de presse, c'est pour faire quoi? C'est bien pour faire passer un certain nombre de messages. Ça va dans les deux sens ou pas? Donc, la presse est uniquement là pour écouter. Non. Maintenant, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, tu me donnes de l'info, toi, homme politique, moi, presse, tu me donnes de l'info, et bien moi, presse, je vais t'en donner aussi. Je vais t'en donner. C'est-à-dire que ce que tu... C'est ça qui est intéressant. C'est cet équilibre assez formidable qui est en train de s'instituer entre des politiques qui instrumentalisent et qui parfois attaquent la presse. Rappel, Sarkozy instrumentalisant un juge. Oui. Courroie, le juge Courroie. Le juge Courroie a été condamné là, personne n'en a parlé. Le Monde a attaqué le juge Courroie. Le juge Courroie a été condamné parce que le type a été, évidemment, pression politique oblige. Donc, c'est un monde, et c'est ça qui. Mon message est le suivant. Il y a plusieurs pouvoirs. La presse est un pouvoir fort. Le politique est un pouvoir fort. Le juridique est un pouvoir. Il y a plusieurs pouvoirs qui, dans ce monde de transparence, s'affrontent. Et nous sommes dans un monde d'affrontement. On n'est plus dans un monde d'hypocrisie qui se... Et Gabriel a raison. Il y a la loi, mais c'est fini la loi. Il y avait la loi pour le juge Courroie. Il l'a transgressée. Il y avait la loi pour Sarkozy. Il l'a transgressée. Quand Sarkozy dit, le coupable, en parlant de son ex-ami de Villepin, le coupable devra répondre... Alors que Bouga présumé innocent. Sera accroché. Donc, là, ouvert. Ça, c'est ouvert aujourd'hui. Et c'est un monde terrible. Un monde où plus rien n'est respecté. Ni par ceux qui sont garants. Cahuzac. C'est pareil. Plus. Donc, on ne peut pas donner de leçons aux politiques. Et les politiques ne peuvent plus nous donner de leçons. C'est ça qui est terrible. Ce qu'on peut apprécier, si je puis dire, dans la foulée de ce que vient de dire Rudy, c'est qu'à l'heure actuelle, plus personne n'est à l'abri.
Donc, on ne peut plus raconter n'importe quoi à n'importe qui. Mais comment tu veux que quelqu'un soit à l'abri quand les politiques espionnent les citoyens? Quand un politique qui s'appelle Barack Obama dit, ce qu'il est au courant, il dit, bon, et chef, on va espionner 100 millions de personnes. Ah non, mais quand il espionne ses collègues, chef d'État. Mais lui-même, oui. Attends, qui monde qui protège? La personne pas protégée. Donc, l'hypocrisie, il faut qu'on arrête. Monter sur une moto avec un garde du corps pour aller voir une nana, je suis désolé. C'est léger. C'est... Non, non, c'est pas léger. C'est je m'en fous. J'en ai rien à foutre de ce qui pourrait être fait. Tant mieux. Eh ben, ou prier, ben, sort les mots de haut. Voilà, c'est normal. Bon. Bref. Non, il y a une phrase qui est dans la déclaration des droits des devoirs des journalistes. C'est l'article 5 de la déclaration, la chambre des déclarations des droits des journalistes. On doit s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Et ça a été à peu près comme ça jusqu'à l'affaire Marc. On doit s'obliger à respecter la vie privée. Oui, Gabriel. Oui. Et à partir du moment où on doit se poser la question, y a-t-il une nécessité publique prépondérante à faire état d'un aspect de la vie privée des hommes politiques? Oui, DSK, personne n'a contesté le fait parce qu'effectivement, il y avait une nécessité publique pour DSK. Cahuzac. Laquelle? Monsieur DSK était quand même prisonnier candidat aux élections présidentielles. Il n'avait jamais fait de déclaration d'intention. Non, mais jamais. Non, et dit, on va arrêter les hypocrisies. Tu viens nous faire la démonstration, on arrête l'hypocrisie. Ne faisons pas l'hypocrisie à DSK. Bon. Cahuzac. Cahuzac, il y avait une réelle. Il y avait un impact public. On a parlé de Mitterrand. Les Mazarines, etc. Bon. Mais sur... Pompidou, l'affaire Markovic, avoue que l'affaire Markovic, c'était dur, non, mais, Pompidou. Hein. Mais on va pas remonter jusque-là. C'est la lente désintégration de la limite entre le privé et le public. Le problème, c'est que l'affaire Markovic et Pompidou, c'était sur des rumeurs, c'était complètement... Ça n'a jamais été prouvé. C'était diffamatoire. Giscard d'Estaing, l'accident au petit matin, avec la Ferrari de Vanille. On a rigolé, on a rigolé. Mais c'était un commencement. C'est un commencement. Ceci étant. Et puis il y a eu Mazarine. Alors on parle de Mitterrand, vas-y. Un homme qui se retrouve un soir ou un matin, un petit matin, sur une moto avec un casque, sortant d'un immeuble, parce qu'il a été voir une fille. Un chef d'État. Qui n'est pas protégé. C'est ça, un chef d'État. Justement, la question. Que les terroristes auraient pu descendre facilement. La question publique. Et mettre la France dans une sorte de. Y a-t-il un danger à sa protection? La question n'est pas posée par le journal qui le révèle. Elle n'est pas. Oui, on peut la poser, nous. Est-ce qu'on peut imaginer que le scooter bute et que le président s'explose? Non, non, est shooté par un bus de la RATP. On peut imaginer. Imaginons ça. On peut imaginer ça. Et puis le mec, il va ramasser le pauvre mec qui l'a jeté. Il s'aperçoit que c'est forcé en l'ordre. On peut imaginer ça. À un moment, ça manque de hauteur. Ça manque de hauteur. Il ment. Non, mais Gabriel t'a dit, mais il ment. Non, pour l'accident de la route, il t'a scouté, il prend l'accident. Et alors? Ça manque de hauteur. Et à ce moment-là, je te signale que si c'est. Imaginons ce schéma, parce qu'on n'a pas dit dans le schéma. Imaginons que le mec se fait effectivement, il rencontre un bus ou il rencontre un chauffeur de taxi marron qui coupe la route. Gabriel, ça dans la route. Gabriel. Personne ne cherche à savoir du sortir. Personne ne cherche. Ah ben alors là, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a qu'à sortir qu'à Intel. Puis-je dire un mot? On saura, on va faire la liaison, on va enquêter. Soyons sérieux. Il y a des investisseurs. Disons réellement. Il y a des journalistes qui s'en foutent. Non, disons-le. Non, il y a un autre problème. Le type, il rentre là à 22h. Attendez. Allons un peu plus loin. Attends, Gabriel, laisse parler. La question n'est pas. Non. Gabriel, ça n'a pas changé. Ça ne se pose pas de la même façon pour un homme politique qui est un homme public. Je suis désolé, en tant que journaliste, cette histoire de question privée ne sera jamais dans mon journal. Si tu veux voir ça, va à tes closeurs, par ta moyen. Ben voilà, non mais toutes les presses ont besoin de vivre. La liberté, pas que chacun peut faire ce qu'il veut. Mais me disons pas que ces questions traitées dans closeurs doivent être traitées par toute la presse. Non. Non, nous sommes d'accord. Donc si on veut cette information, on va la chercher dans le journal qui la traite. Si on veut la chercher, mais pas la caille moins. Mais qu'on m'oblige pas à traiter parce que l'auteur a parlé. Non mais attends. La question c'est, est-ce qu'on doit le parler? Chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas à suivre parce que quelques-uns en parlent. Oui. On a la liberté de la ligne éditoriale. Je voudrais vous dire. Et au moins qu'on respecte ça de la part des journaux. La liberté de la ligne éditoriale. Gabriel, tu sais qu'une émission où je n'arrive pas à parler, ce n'est pas une bonne émission. Hein.
Ah, mais c'est, au moins, c'est une mission vivante, ça, ça fait... s'interpelle. Non, non, non. D'habitude, c'est un peu mort, mais tu es là. Non, non, non. Même si je n'arrive pas à canaliser et puis à faire évoluer, on perd des auditeurs des hauts. Gabriel a crié. T'as pas crié. On ne crie pas dans mon émission. Gabriel, on ne crie pas dans mon émission. On sourit comme tu fais là et on est très silencieux, très calme. Alors, jusqu'à la fin. Monsieur Marajo, dans la douceur et dans la sérénité. Alors, moi, en fait, je partage la totalité de ce que Gabriel vient de dire. Mais tu ne le dis pas aussi fort que lui. Hein. Non. Ouais, à une exception près, qui est la suivante. Il y a un président de la République qui se met en scène, globalement, et qui obtient ce qu'il a semé, quoi, qui récolte ce qu'il a semé. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce type, il part de l'Élysée à 22h, il va voir une nana. Et ils sont de là à 8h du matin. Non, ils sont de là à 11h du matin. À 11h du matin. Alors, à l'arrière, on va discuter. Attends. On va discuter. Ah non, Gabriel. Ah non, parce qu'à 11h du matin, ça fait longtemps qu'on travaille. Voilà. Alors, à 11h du matin, on va travailler depuis longtemps. Monsieur Capote, croissant, etc. pendant longtemps. Mais c'est son droit, il est président de la République, n'est-ce pas? Et c'est sa vie privée, n'est-ce pas? Et l'éthique fait que tu ne dois pas m'intéresser à ça, n'est-ce pas? Vas-y, Eddie. Je rencontre dans la rue des gens qui m'interpellent sur ça. Et il y a un type qui me dit, et c'est là que tu vas, on va rire forcément, mais c'est tellement important. Il y a un beau qui dit, mais monsieur va à travail. Juste un peu. Mais c'est la vérité de tout le monde. À travail, alors mon voté, ben, monsieur, pour gérer la France. Quand il sortit là à 6h du matin, 7h du matin, comment qu'a fait là? Regardez-moi ça, comment qu'a fait là? Mais à 11h du matin, ah monsieur, là, travaille alors. Regarde toujours. Voilà. N'empêche que ça fait déjà près d'un quart d'heure qu'on est là-dessus. Je suis sûr que ça passionne les gens. On est tous d'accord, c'est pas la peine d'accord, mais un quart d'heure. Laissez-moi vous donner. Est-ce que je peux rajouter un dernier Non. Qui va expliquer probablement pourquoi ça génère de l'intérêt? La quasi-totalité des dossiers que traitent les journalistes et qui font la une de l'actualité ne proposent aucune possibilité de débat avec l'opinion. Aucune. L'économie, chef, tu es gentil, on parle au particulier, tu es gentil, mais tu n'y connais rien. Ouais. Et nous-mêmes, nous n'avons rien à dire parce que ces choses sont comme ça, etc. La justice, le social, etc. Le seul truc sur lequel il y a de vrais débats d'idées, c'est ce qu'on appelle les débats de société. Or, allons faire cette analyse-là, c'est dramatique, quoi. Ça veut dire que, en clair, c'est le seul point, et je le regrette comme tout le monde, c'est le seul point sur lequel les gens ont une opinion. Et ils ont une opinion tout simplement parce qu'ils ont une information. Okay? Or, sur tout le reste, il n'y a pas d'information. Donc la critique que nous devons nous faire, c'est que nous n'allons pas plus loin que la simple relation de la réalité. Ok, c'est-à-dire qu'on ne remet pas, par exemple, on va en discuter, le pacte de responsabilité. Moi, j'ai pris tous les journaux, j'ai regardé tout. C'est mon gars pas qu'à aller plus loin qui. Bon, eh ben, ça représente tant de milliards. Mes frères, allons plus loin. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un changement de société? L'aspect sur lequel je veux qu'on en parle, c'est là. C'est pour une petite citation rapidement, mais je vais ça savoureux, donc c'est pour faire plaisir à vous, là, et puis ensuite dans un livre d'entretien avec le journaliste Patrick de Carolis, Madame Bernadette Chirac dit: mon mari n'était pas un homme ordinaire, il avait un succès formidable, bel homme, et puis très enjôleur, très gai. Alors les filles, ça galopait, mais mon mari est toujours revenu au point fixe. Délicieux, hein? Là, je faisais à la frontière. Elle-même l'a franchi. Non, et puis je veux dire, il y a quand même une grosse hypocrisie à dire que ce qui relève du privé, c'est du privé. Mais quand tu es un homme public, tu représentes un pays. La partie privée, elle devient un petit peu plus ténue. Surtout, et là, finalement, on se retrouve mêlé à une histoire privée. Oui. Je suis désolée. Parce que 5 secondes. On l'est. On l'est pour une heure. Le temps de l'émission. Sur le même sujet. Non, parce que je pense que c'est intéressant, finalement. Imaginons que le photographe, ça peut arriver, même parmi les grands professionnels, les paparazzo, a un problème de flash. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'histoire. On n'en parle pas, là. Sauf que là, il n'a pas eu de problème de flash. Non, mais j'ai dit, ça peut arriver. Il identifie la moto sur quoi? On ne voit pas le visage de Hollande, je suis désolé. Absolument.
on parle de quoi? Parce que la moto a juste l'insigne des forces de protection. Tu remets en cause que ça soit que ça a été Hollande. Je qui... remets. Non, tu ne finis pas avec. Je te laisse. Ça repose uniquement là-dessus. Bon, évidemment, ces types-là, ce n'est pas des amateurs. Mm-hmm. Ça fait un moment qu'il est en planque, donc ça fait un moment qu'il sait. Mm-hmm. Mais l'élément qui atteste que c'est Hollande, il Hollande n'a jamais démonté quoi que ce soit. La seule preuve visuelle qu'il y a, c'est l'insigne du corps de protection du président de la République, qui prouve que c'est le président de la République qui est sur le scooter. Mm-hmm. Bon, personne n'a démonté. Et si, là, si, et là... si parce que le type, je peux il suffit qu'il change de moto qui n'est pas à la signe. Je peux t'interrompre 30 secondes. Il n'y a rien. Je peux t'interrompre 30 secondes. Donc, on est en train de parler. Gabriel Gallion. On peut parler là, comme on peut parler sur du vide. C'est difficile de faire une émission avec lui. Je peux te. Je finissais ma phrase. Au moins, oui. Peux-tu permettre que je finisse non, mais ma je peux phrase t'interrompre quand 30 je secondes. M'adresse à une dame. Mais non, mais sur un point précis. Attends, merci. Allons faire une émission. Moi, j'ai la conviction qu'ils ont notre photo. Et que s'il avait bégayé, on le lui sortait dans le visage. Non, il ne va pas bégayer parce qu'il t'a bien dit que ça l'intéresse. Il ne va pas attaquer. Moi, j'ai la conviction, ils ne sont pas fous. Tu es d'accord, Eddy? Alors, moi, je partage ce que tu viens de dire. Gabriel, quand François Hollande lui-même... Attends, tu parles et puis je parle. Hein. ça dure les derniers mots. Mais non, c'est pas ça. Vignolet, sujet, c'est pas moi Didier Vignolet. Oui. On m'a incité à revenir dessus. D'accord, mais merci beaucoup. Permets-moi de revenir. Tu as raison. C'est un débat trop important sur la liberté de la presse. Et Gabriel a mis le pied dans le plat, c'est la liberté de la presse, les devoirs, etc. Quand François Hollande convoque la presse pour dire... Convoque. C'est un autre. Je ne parle pas de la conférence de presse de là. Je parle en 2011, au moment de la campagne, au début de la campagne. Il dit oui, effectivement, ma femme m'a congédié. C'est vrai, Ségolène l'a mis dehors de l'appartement. En même temps que Sarkozy avait ses problèmes avec. Il le dit dans la presse, c'est-à-dire autour de lui, il y a des gens de Paris Match, il y a des gens du Monde. Alors le Monde, évidemment. Il n'a pas repris ça dans les détails, mais ils étaient conviés. Et il dit la chose suivante, Valérie Trierweiler est la femme de ma vie. Mm-hmm. Frère, ou Candide, attends. Et puis après, tu viens pleurer. Or, il était réputé pour une discrétion totale. Il n'avait jamais fait de commentaire. Ségolène lui a demandé sa main en direct sur un plateau de télévision. Bougaré était là comme ça. Il dit, moi, stipé. Monsieur, jamais, mon paquet, il parlait de la vie privée, moi. Et puis... Comme Madame Mou, Yokakri et Trierweiler, et que c'est un journaliste, et qu'il dit oh, je veux que tu rendes ça public, eh bien tu as craqué. Eh bien frère, une fois que tu as craqué, c'est fini. Et puis, terminé. Eddie, il baille un bureau, il baille 5 collaborateurs rémunérés, il baille un statut, il a mené et puis il a présenté. C'est normal, c'est la première dame de la République. Et puis on est obligé d'en parler. Oui, c'est normal. On est obligé d'en parler. Elle est à l'hôpital. Est-ce qu'elle ne peut pas une bombinette quand elle va sortir de l'hôpital? Est-ce qu'elle attend? Alors pour finir sur ta question qui est la suivante, est-ce que ça aura un impact? Alors moi, je prends le pari que ce truc-là aura un impact extrêmement positif sur la cote de François Hollande. Ça le rend beaucoup plus humain, beaucoup plus proche, et tu sais que les Français adorent ça. Que le type soit attaqué là, ou que la dame soit attaquée, eh bien... Non, mais il va trouver des gens pour le défendre. Parce mais non, mais attends, c'est la, un... Non, je te dis le pourquoi. Le multipartenariat en France, c'est bien ça? Oui, c'est bien dit. C'est la règle. Et c'est la règle. Un pays de débauche et de laisser aller. Sans morale et sans éthique. Il avait annoncé qu'il sera un président normal. Il est normal, oui. Mais enfin... C'est normal, parce que tous les arguments, c'est dénoncé. Bref, la transparence totale devient totalitaire. Surtout quand elle vient de la part des hommes politiques. Quand elle est suscitée de la part des hommes politiques. La transparence réclamée, là, je suis désolé. Mais ils ont commencé, Sarkozy l'a fait, lui-même, il a fait entendre des exemples. C'est pas une raison pour qu'on embarque dessus et que nous en débattons pendant 25 minutes. Pour finir sur une note humoristique, j'ai lu sur le net un certain nombre de choses qui se disent, et notamment un internaute qui écrit « Pour se remettre de ses échecs, Hollande s'est tourné vers les dames ». C'est encore une citation, c'est dans des entretiens avec Pierre Payen, Jacques Chirac. Il dit, moi je n'ai pas détesté les femmes, mais je n'ai jamais abusé. Terrible chichi, c'est pour ça que les poissons lèvent comme ça. Bon, l'histoire de Sarkozy, l'arroseur, on ne va pas parler de lui, on parle trop de Sarkozy. Vous avez vu comment ça s'est retourné contre lui. Disneyland. Non, je ne voudrais pas me fâcher avec Gabriel, mais non, on est là pour la transparence. Je rappelle que Fossanti a fait une sur la maîtresse de Barack Obama en Martinique. Ouais. Oui. Quand tu dis pas dans ton journal,
Je suis désolé. On se demande pas quoi. Ah, on peut faire des erreurs. D'accord. Non, mais je suis d'accord. Et si je dois arriver à ce qui se passe en rédaction, ça fait l'objet d'une discussion quand on a vu la une. On s'est dit, mais c'est bon. En tous les cas, il avait dit, surtout que ça s'embarque sur une. Tu dis maîtresse, mais en plus, on n'a jamais pu prouver qu'il était la maîtresse. Ouais. Absolument. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous rappelle quand même que François Hollande avait promis d'être un président exemplaire. Non, mais attends, ça passe qu'on sait. Ça va. Il n'aime pas François Hollande. Ah, ça va. Un président exemplaire, mais un homme normal. Oui, un homme normal, exemplaire. En tout cas, c'est le président de la République qui a fait passer le déficit budgétaire de 7,9% du PIB à 3,9%. OK? Ça, on va peut-être le retenir dans quelques années. C'est En un an et demi. Et c'est le premier président de la République qui a réussi à réduire les dépenses publiques de 5%, OK, en un an et demi. Ça n'a jamais été fait de toute l'histoire moderne française. Alors peut-être qu'on va retenir ça à la fin. Mais pour le moment, on n'a pas encore réalisé ça. Hein. Compte tenu de ça, côté des sondages. Parce que bon, la dette est réduite, le déficit, ce que les gens se veulent, c'est bosser, quoi. Et puis là, le boulot, il n'y en a pas. Tu vois, c'est pas lui qui les emploie, tu me dis. Ah, d'accord. Alors, on va essayer de parler sur le plan local de ce qui se passe à la Martinique. Un article très, très documenté, très motivé de France Anti qui reprend une véritable scène, c'est le titre, une véritable scène de guerre à Sainte-Anne. C'est un discours de c'est quand même un petit pays, à Sainte-Anne, commune de M. Malsa, qui était dans la photo a été d'ailleurs publiée, qui est ravagée par ça, ça est très mal. Alors je rappelle, il s'agit d'un anniversaire qui était fêté à un restaurant, je ne sais pas bien son nom, le pauvre il est fermé pour un mois, je ne sais pas bien le skinter définitivement, qui laisse sur le tapis deux morts, âgés de 22 et 20. On a une éthique, hein, tu vois, de 22, ça ne sert à rien de donner le nom du restaurant, de 22 et 33 ans, un blessé grave, 5 hospitalisés. 5 à 10 personnes venues à l'anniversaire avec des armes de poing. Et puis dans la foulée, deux jeunes à scooter qui vont à l'hôpital pour essayer de régler les problèmes. Et puis je crois que l'un des blessés qui part avec son goutte à goutte et pour disparaître dans la nature. Les jeunes qui ont été arrêtés, qui voulaient continuer le règlement de compte, sont arrêtés avec un 38 spécial, un pistolet automatique 9 mm chargé. Bah, tu vois, j'ai gratté à l'époque à France Anti, j'étais jeune, vraiment, ça fait le siècle passé. Hein. Et je vois l'évolution, c'est que maintenant le journaliste, mais il a bien raison, un 38 spécial, un pistolet automatique de 9 mm chargé, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un 38 spécial et un automatique de 9 mm chargé. Tout le monde, moi, c'est avant de dire, monsieur t'as une 38 spécial. C'est le fin. Concernant un 9 mm. Oui. Chargé. Ah non, sur l'arme, il y a. Non, je sais pas. Il y a une catégorie arme de guerre, l'autre catégorie B. Tu vois. Bon. Alors les coups de feu ont commencé sur le parking, ils ont continué ensuite, je crois sur la plage, quoi, une sorte de mitraille. Donc on a vu les photos prises des forces de l'ordre qui vont chercher des cartouches, etc. On a interrogé une quarantaine de personnes. On a vu des images sur la télé. On a vu des images aussi de 20 à 30 ans, des jeunes gars de 20 à 30 ans, des petits jeunes, voilà. De Fort-de-France et du Lamantin, pas de Sainte-Anne, rien à voir avec Sainte-Anne. Rien à voir avec Sainte-Anne. Ce qui fait que Gaston Malsa a pu dire, malgré tout, que cette affaire va au-delà de Sainte-Anne, elle concerne toute la Martinique, mais le ravager, le Malsa, et que les jeunes de Sainte-Anne ne sont pas en cause. Mais ça m'a rappelé, vous vous souvenez des échauffourées qu'il y avait eu à Sainte-Anne, ça fait quelques années, ouais, dans les bottes, comme si le jeune de Sainte-Anne était en cause. Alors, c'est amusant, c'est pour sourire de Malsa. Ils ont bien compris. Qu'ils devaient garder leur sang-froid, que c'est leur territoire. C'est marrant, hein, que tu es en Martinique, tu as un territoire, chacun a son territoire. Ils doivent continuer à travailler dans l'inquiétude et la solidarité. J'ai envie d'ajouter pour ceux qui ont du travail. Et qu'une réunion aura lieu, Malsa, à la veille des élections, avec qui? Pas avec les associations philosophiques et religieuses, pas avec le curé, pas avec les associations. Hein. Avec les acteurs économiques de la commune. Je suis complètement content de servir chef. Bon. Voilà, votre avis sur tout ça, après les bêtises que j'ai pu dire. Non, une telle flambée de violence, c'est quand même. Non, moi je trouve ça quand même alarmant. Oui. C'est une drôle de façon de commencer l'année. Et puis, pour le coup, moi j'avoue que j'ai pas suivi l'affaire, donc je suis quand même curieuse de connaître les tenants et aboutissants. Que tout le monde sache c'est quoi un 38 spécial, enfin bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui motive ça? Voilà. Comment est-ce que des personnes en Martinique peuvent se promener aussi naturellement un dimanche soir, je crois que ça s'est passé un dimanche, à Sainte-Anne, enfin, je trouve ça
complètement abracadabrant. Et bah, pour le coup, je regarde. Oui, pour le coup, je regardais le net et c'est vrai que dans les infos live du Monde, il y avait, je vois une fusillade, 3 morts en Martinique. Je me suis dit, ouais, c'est une plaisanterie. Mais non, pour une fois qu'on parle de la Martinique, c'est pour un sujet comme ça, c'est carrément dramatique. Daniel, ça passait en bandeau sur toutes les télés, toutes les télés, LCI, Daniel, télé, des jeunes qui se réunissent autour un restaurant relativement cher, une cinquantaine, pour un anniversaire, donc c'est lui qui invite qui paie, qui ont tous leurs flingues dans leurs poches, ça forcément quoi. Oui, voilà, c'est ça surtout. Mais Miami Vice, Miami Vice, ça veut dire que c'est des gars qui ont un certain niveau de vie, ben, mais qui ont leurs flingues, quelle connotation ça peut avoir? Le commerce des armes est quelque chose de bien développé en Martinique. Donc non, ça, mais à part ça, c'est pas que... ça qui nous interpelle, comme ouais, on dit maintenant. Hein? Bon, le fait que... Mais pas pour l'anniversaire. Alors, c'est ce que j'allais dire. Le fait que tu ailles à un anniversaire, quelle que soit la personne qui l'organise, avec ton flingue dans ta poche, ça rappelle les séries américaines à la télé. Carrément. D'accord? Bon, tout le monde va... Peut-être pas dans l'optique de défourailler durant cette soirée, mais tout le monde au va armé. Au cas où. C'est ça surtout qui nous interpelle. D'accord? Bon. Le restaurant en question, je le connais, j'y mange de temps en temps. Il n'est pas si cher que ça d'ailleurs. Tu y manges? Oui, heureusement, j'y vais le midi. Tu as les moyens. Oui, j'ai quelques petits moyens. Tu fais l'anniversaire toute une nuit avec repas, boire, champagne. Ah oui, c'est ça. Gâteau, ça va pas être le ça, c'est pas le même prix. Ou ton petit blaf. C'est pas le même prix qu'avec mes acras et tout ça. D'accord. Non, mais ce qu'il y a, moi, le fait qui, encore une fois, interpelle les gens. J'emploie le mot à dessein, ce n'est pas le fait qu'il y ait des jeunes armés, c'est le fait qu'il y ait, d'après ce que j'ai lu, deux bandes rivales. D'accord? C'est-à-dire que le phénomène de bande se déplace, ce n'est plus seulement Fort-de-France et le Lamantin. Alors là, c'est Sainte-Anne, un autre jour, ce sera Mort-de-Rouge, un autre jour, ce sera... Gabriel, tu penses que c'est des bandes rivales comme ça pour un territoire, pour une mobilette, pour un truc, ou bien qu'il y a quelque chose de plus sérieux là? Parce que c'est ton journal quand même qui a fait une enquête... Le phénomène de bande ne peut pas être pris à la légère. Les bandes existent à la Martinique. Oui. Il faut se mettre cette réalité en tête. Les bandes, c'est même pas des bandes, c'est des gangs. Voilà, ça, c'est plutôt ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce sont ça, c'est des pas gangs. Des, c'est pas problème de bande, c'est problème de gang. Ça. Il suffit de regarder des fois, on va voir certaines couleurs apparaître sur des véhicules ou des foulards. C'est un signe de reconnaissance d'appartenance à un gang. J'avais bien remarqué un jour un carnaval, c'était en 2004, j'ai remarqué qu'au moment, il y avait une bande, il y avait une horde de motos, enfin de petits scooters qui allaient traverser le boulevard Général de Gaulle, coupant des vidés, tous habillés avec un bandana identique. C'est le carnaval? Non, c'est un bandana drapeau américain. Ça, je suis un américain. Étonnant, ça. En fait, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, discuta avec un éducateur de rue. Il me fait, mais c'était un gang des Gabacela. J'avais ma fille, mais oui, c'est un gang. Il dit, mais aujourd'hui, chaque gang a ses couleurs. Et on a ses couleurs visibles de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Les parents, toi, moi, personne, on ne verra pas ce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais ils ont leurs couleurs, leur signe de reconnaissance. Un, deux, comme il y a des gangs, eh bien, il y a des armes. Il y a toute espèce d'armes. Ce qui se passe à Marseille, qui a défrayé les chroniques l'année dernière, c'est ici. C'est déjà à nos portes. C'est déjà là. C'est pas déjà à nos portes, c'est à l'intérieur de nos portes. Bon. Ce qui s'est passé à Sainte-Anne, ben, tu dis, restaurant cher, attention à l'image. Les blessés, les morts, ils n'ont pas de casier judiciaire vierge. Celui qui s'est échappé, il n'est pas inconnu des services de police, selon la formule consacrée. Ce sont des délinquants. Ceux qui sont morts, malheureusement, ne sont pas non plus inconnus des services de police. Il suffit qu'il y ait deux majors, ils ont des comptes ou des choses, d'un regard mal placé, d'une parole, d'un geste, et c'est parti se dégénérer. D'autant qu'on a bu, on a consommé de la drogue, inévitablement, donc ça devient sensible. Et puis, on est chez nous. Donc on est chez nous, mais ça défouraille, on s'enlève au fusil. Parce qu'on est dans un western, on est dans un cinéma. Voilà, c'est la réalité. Alors ça nous explose au visage là. Mais ce n'est qu'une petite partie émergente
de l'iceberg beaucoup plus profond. Oui. Et puis de toute façon, que ça soit parce que pour un regard, mais pour un règlement de matos acheté, vendu, le territoire, etc., ça revient au même. Hein. Ce sont des jeunes Martiniquais qui sont en train de s'entretuer. C'était entre individus. Ouais. Il y avait un règlement entre individus, oui. Dont l'affaire du Lamantin qui a été fait à Conny, où on cherchait le corps, c'était entre individus. Mais en même temps, ça dégénérait après, quand on avait un petit peu... complètement dévalisé, vandalisé la maison, l'appartement de la mère du présumé meurtrier, parce qu'en fait, c'est des problèmes de gang et de bande, de quartier, sinon, voilà, problème de territoire, Eddie. Voilà. Moi, je pense que derrière tout ça, le mot qui est le plus important n'a pas été prononcé, c'est l'économie de la drogue. C'est tout. C'est un affrontement qui est lié au départ, d'après les informations que l'on a. Évidemment, de la provocation. Je t'arrache ta chaîne. Ouais. Tu vois pourquoi tu m'as arraché la chaîne. Bon, c'est de la provoque classique. Mais derrière là, ça dégénère. Derrière ça, il y a un conflit d'intérêts. Voilà, il y a des conflits d'intérêts majeurs sur les territoires de vente et de revente de drogue. Tous les policiers le savent. Tous les politiques du Lamantin et de Fort-de-France le savent. OK ? Alors, on laisse faire tout simplement parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution. À partir du moment où il y a une offre, Elle se structure en face d'une demande. Et la demande, c'est quoi? C'est deux choses. Une demande intérieure de plus en plus forte, c'est-à-dire que tout, il devient normal et naturel dans les milieux bourgeois et de classe moyenne. Tous les milieux. Non, mais ça monte. C'est parti de la base et ça monte de fumer de la marijuana. OK? C'est devenu normal, on va dire ça comme ça. Et... le taux, de présence de la marijuana dans tous les foyers martiniquais est de plus en plus important. Les dernières enquêtes sur la consommation de drogue marijuana dans les collèges montrent qu'un collégien sur deux a déjà fumé de la marijuana. Alors comment on fait pour fumer de la marijuana? C'est parce qu'on peut en acheter. Si on peut en acheter, c'est qu'il y a une structuration. Donc ça, c'est la demande interne. Et puis il y a la demande externe qui est celle de la transition, du transit par la Martinique de... quantité très importante de cocaïne destinée au marché européen. Bon, mais les fournisseurs... Et récemment, un petit peu d'héroïne. Enfin, oui, mais bon, comme l'héroïne n'est pas en augmentation... Mais ça commence. Hein. Bon, on a là une structure de marché, et comme dans tous les marchés du monde, soit ça se fait à fleur et moucheté, à travers des actions, des fusions, des acquisitions, hein, c'est ça, ou des procès, c'est-à-dire ça, c'est Google, Apple contre Samsung... Voilà. Et soit ça se fait de manière, soit ça se fait de manière violente quand le marché est hors la loi, on applique des règles hors la loi. Voilà. Donc Samsung ne va jamais sortir un bazooka pour détruire Apple. Par contre, un bazooka financier. Voilà, mais je parlais de vrai bazooka. Par contre, sur le terrain local, parce que le marché, il est estimé, c'est pas négligeable. Hein. Le marché est estimé, le marché global transite plus revente 150 millions d'euros. Par an. Voilà. Donc, quand tu as des petits jeunes... Grosse surface. Quand t'as des, et tout ça est géré par des gens... Chiffre d'affaires d'une grosse surface de monsieur, du groupe Bernard. Du groupe Bernard Yacht, mais quand ce truc-là est géré par des gens qui ont moins de 40 ans, eh bien, de temps en temps... voire moins de 30 ans. Oui. Ça part en vrille parce que la possession d'un pouvoir fabuleux totalement toléré, plus cette impression, donc ça c'est l'impression d'impunité totale, hein, parce que combien ils font en prison, combien ça dure, 5 ans avec la remise de peine. Bon, plus la capacité matérielle d'ôter la vie aux autres, imagine le cocktail que ça peut faire. C'est le grand désordre. Alors, un sourire crispé, je le dis bien. Février 2011, début de soirée, des jeunes ouvrent le feu en direction d'un snack, le Tombolo à Sainte-Marie. Il y a plusieurs blessés. Le 17 février, un dénommé Diabla, de Monde des S, pris à partie par des jeunes de Cosmi, qui tentent de lui dérober sa sacoche. Diabla qui s'appelle. Hein. En représailles, la bande de Cosmi lui pique, dérobe un scooter à Trinité à un autre de la bande rivale. Le chef, qui s'appelle Microbe, chef de bande de Monde des S, reconnaît ce vol à l'audience, parce que ça, c'est l'objet d'un procès qui est relaté dans ton très bon journal. Et ça relève d'une rivalité très ancienne. Alors, Bobine, c'est le chef de bande de Cosmi.
Et il explique qu'en garde à vue, qu'il est monté au fond de mer avec son flingue et puis qu'il l'a tiré dans le tas. Parce que bon, tout ça l'embêtait. Au final, le chef microbe a pris 2 ans. Donc on parlait des peines. Voilà. 4 ans pour Bobine et les 4 autres prévenus de 5 à 12 mois ferme. Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs ce qu'on appelle les remises de peine automatiques et combien ça vaut sur une année? Quand tu as 1 an de prison, tu as... Je vais te le dire globalement, c'est mieux. Si tu as 5 ans et que tu t'es bien tenu, tu peux faire 3 ans, 2 ans. Voilà. Donc, tous les ans, tu as 6 mois. Ou voilà. Mais en même temps, c'est une façon d'avoir la paix dans les prisons, sinon ça serait une pétaudière, ça exploserait. Les prisons n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu cette possibilité. S'il n'y a pas cette possibilité interne de rédemption. Les avocats le savent, les prévenus le savent, mais le grand public ne le sait pas. Donc maintenant, ils savent. Oui, et puis non le fait que dans la pratique, les peines inférieures à 1 an ne sont jamais exécutées. Non seulement on ne t'appelle pas, on ne te convoque pas. Il faut aussi rappeler les taux de récidive. Un petit mot sur Didier Laguerre. Je vais laisser la parole à principalement notre ami Gallion, qui nous a fait l'honneur de venir ce soir. Qui s'est représenté comme étant le nouveau maire qui s'appellera Didier Laguerre. Ça me dit. Gabriel n'a pas raté. Le pauvre. Gabriel est un spécialiste. Il n'a pas raté, le pauvre. Il n'a pas raté. Bon, n'hésitant pas, vraiment, là, vraiment, c'est parce que dans le contexte, prenant ça comme titre, c'est dur pour lui. C'est pas ça qu'il avait dit. Il n'a pas dit épidément. Moi, tu l'as amené tout doucement, Bon, il fait une déclaration télé, On a attaqué l'émission par une histoire de déontologie, de transparence et de droit du journaliste. Le nouveau maire s'appellera Didier Laguerre, Gabriel Gallion, pas. C'est clair. C'est ce qu'il a déclaré, qu'il m'a déclaré à mon magnéto. Oui, c'est sur le magnéto, mais c'est en titre, tu mets ça. Comme tu es quelqu'un de sérieux et tu as une interview, tu sais très bien. À quel moment cette phrase intervient dans l'interview? Oui. Merci oui. beaucoup. Mais celui qui n'a pas lu, c'est dit, toute la guéota, c'est méchant. C'est sa déclaration. Oui. L'interview, c'est quoi? Tout à fait d'accord. L'interview, alors, c'est quoi? Et pourtant, on leur a déjà dit, quand vous allez être interviewé par Gabriel Gallion, faites attention. Alors, je vous rappelle. Eh bien, finalement, Gabriel Gallion, il faut quand même lui rendre hommage ici. Il a eu Danny Chaumet, il a eu Catherine Cocone et il a eu Didier Laguerre. Les 3 se sont fait avoir. Ouais. Alors. Pardon. Attends. Je magnétophone de Gabriel. Ils n'ont pas été suffisamment vigilants sur les termes employés pour que ça ne prête à aucun moment à confusion. Voilà. Or, en étant dans l'approximation, ils sont face à un limier et spécialiste de la politique. Ils ont affaire à un méchant journaliste. Non. Il est méchant. Alors, monsieur Laguerre est investi par... Deux secondes. Il me dit, j'ai eu Chaumet. Je n'ai pas eu Chaumet. Chaumet a exprimé quelque chose qu'il ressent et qu'il pense réellement. On me dit, j'ai eu Catherine Conconne. Elle me fait une déclaration. Elle fait une phrase. Je fais préciser plusieurs fois si c'est bien ce qu'elle dit. Elle le profite, elle le rappelle, elle le rebosise. C'est clair. J'ai interrogé d'y aller, on va faire la fête. Le prochain maire, il s'appelle Laguerre. Chaumet, bon. C'est vrai qu'il a su. Non, mais attends, tu me dis, Didier Laguerre. C'est limite. Mais là, Laguerre, tu l'as vu. Non. Je ne vois pas pourquoi cette lecture-là. Au contraire, je fais la lecture suivante. Le type est candidat. S'il n'affirme pas lui qu'il veut être maire de Fort-de-France, qui va l'affirmer pour lui? Oui, c'est lui seul qui peut l'affirmer, c'est pas nous. Faut logique et cohérent. Voilà. Il dit qu'il sera maire. Donc, au contraire. Madame Célélie, il a de fortes chances d'être maire. Moi, c'est sûr, c'est évident. Le principe, je crois qu'il faut. Oui, bon, je vous l'ai gagné. Ah, t'as commencé. Chez moi, depuis que vous gagnez, qui fait gagnant. Je suis désolé. Alors, je peux. L'intérêt d'interview, ce n'est pas les questions, ce sont les réponses. Je peux resituer le débat. Monsieur Laguerre est investi par le comité national du Parti progressiste martiniquais, n'est-ce pas Daniel? Pour briguer la mairie de Fort-de-France et il compte sur le rassemblement des militants et de tous ses concurrents. Ça, c'est la montée en puissance de M. Gabriel Gagnon dans son interview.
Alors, il lui demande, est-ce que c'est un accouchement douloureux? Lui, il répond, non, c'est un accouchement longuement préparé. C'est qu'il fallait choisir la meilleure stratégie pour les municipales et puis ensuite pour les... Pour la collectivité unique. Je ne vois pas très bien ce que ça va avoir, mais on fait un peu... Ah, oui. Il répond, toi, tu... Bon, hein. Est-ce que Serge Tsimi a renoncé au terme d'une semaine aussi mouvementée et agitée? Ça sent un petit peu l'improvisé et puis l'approximatif. Lui répond pas du tout, que le Tsimi réquisitionné, c'était l'aboutissement de longs mois de réflexion sur la meilleure stratégie, toujours pareil, etc. Mais que c'était décidé en une semaine, à dire ça. Une longue incubation et puis une décision. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est bien mené et que la réponse est... Et bon, Gagnon pose encore la question, c'est pas précipité ça? Il dit, mais non, l'ouverture de dépôt de candidature a été faite la semaine dernière, l'ouverture de dépôt de candidature a été faite sans précipitation ni improvisation. Alors, je fais un coup de canal, on a pris les enveloppes, on les a regardées, on les a ouvertes, etc. Comme si c'était ça qu'on veut parler. Comme si on parlait de l'ouverture. Donc, une fois encore, Gagnon l'a eu. Bon, on continue. Les choses ne se sont pas précipitées, mais se sont simplement accélérées. Alors, donc, à la fin, on n'a pas ouvert trop vite les enveloppes, mais on ne s'est pas précipité, on a sûrement ouvert un peu plus vite. Ouais, mais on continue. Ensuite, maintenant, c'est toi qui as fait la fête avec lui. Alors, tu as demandé, est-ce que vous avez réussi à faire le vide? Est-ce que vous avez réussi à faire le vide? Non. Et tu décides de faire la fête avec les réponses du mec. Ah non, tu as fait la fête avec lui. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire le vide? Il a répondu, non, j'ai une capacité à rassembler, moi. Ceux qui ont été pressentis, ils ont renoncé. Ils ont arrêté ensemble, amicalement, fraternellement. Il n'a pas dit tout ça, mais il a dit qu'ils ont été ensemble. Le mieux pour le parti, la ville et le pays. Et Catherine Conconne, il dit, j'ai discuté avec elle, avec Yvon Paquitte, avec François Audiard, avec Serge Letchimy, avec Jean-Claude Duverger, et ils ont choisi, ça c'était une bonne réponse, c'était une bonne question, correct, de répartir équitablement nos fonds. Ça c'est correct, c'est politique, c'est bon. Daniel, c'est bon, là je n'ai pas à critiquer. Et le cas de Serge Letchimy, alors là, le cas de Serge Letchimy, c'est difficile à avaler. Ouais. Quand il te dit... Ce n'est pas Serge Letchimy qui a décidé, c'est le comité national qu'il a réquisitionné pour 2015. C'est le comité national qui mène les choses au parti. Arrête ton numéro d'hypocrite. Tu imagines 5 secondes que le secrétaire général du PPM va me répondre « Non, effectivement, Serge Letchimy a décidé de demander au comité national de réquisitionner. » Mais quand tu lui poses la question et qu'il te répond Gérard, ça... arrête ton hypocrisie. C'est comme un gros fil rouge sur un vêtement blanc qu'on a reprisé. Pas pour toi, mais pas pour monsieur tout le monde. C'est clair. Il y a des réponses. En contre, le rôle du journaliste, c'est de dire à monsieur tout le monde, là, il y a un loup. Ouais, bon. En fait, il y a des réponses sur lesquelles on peut trouver une part de vérité dans ce qu'il dit. Est-ce que oui ou non, le processus qui était mis en place pour pouvoir décider, un, que Letchimy reste sur la collectivité unique pour 2015, puisque c'est le sens de cette réquisition, et qu'il faudrait un candidat sur le France, et que ce candidat était préalablement plus ou moins imaginé que ça serait lié à la guerre, que le processus a été long à émerger, oui. En réalité, on est quelques-uns, pas forcément toutes ces tables, nous sommes quelques-uns déjà sur la table, mais d'autres ont discuté avec Serge Letchimy, ont vu comment les choses évoluent au Parti progressiste. La question s'est posée très tôt, est-ce pertinent que Serge Letchimy soit candidat chez Fort-de-France et que, en cas de victoire à la collectivité unique, un an après, il s'en aille? Comment l'électeur foyer va-t-il percevoir et ressentir la chose? Donc ça posait un problème. Il y a un membre éminent du PP à côté de moi, il le sait, c'est une question qu'ils ont eue, question interne. Oh oui. Deuxièmement, si, bon, effectivement, ça pose problème, donc il faut être clair et net. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir qui on va avoir comme candidat tête de liste sur Fort-de-France. Là, le choix est large. Il y a 4 noms finalement qui ont émergé très rapidement, mais il y avait 5 aussi ou 6. Quel est le meilleur? Quel est celui qui fait l'unanimité? En réalité, ni l'un ni l'autre. Mais comme Serge Letchimy, depuis plus de 2 ans, n'arrête pas de dire, il y a des têtes nouvelles qui doivent émerger au parti. Il y a des gens de talent dans le parti, il faut qu'on les mette devant. Parmi les noms pressentis, qui étaient les têtes nouvelles à mettre en avant? Le secrétaire général. Didier Laguerre. C'était lui qu'il fallait mettre devant. Qui s'en est très bien sorti avec ton interview. Donc le problème, c'est qu'il a
et ça, personne ne va discuter, il a un problème de notoriété. Ce n'est pas d'ailleurs qu'on perd bien le contraire. Il te contredit, il a dit que sur le terrain, il a les sondages. Apparemment, il y a des sondages internes. Je ne demande rien à Daniel sur ce point-là. Il dit rien. Il a des sondages. Il y a un problème de notoriété, ça c'est oui. Il y a un problème de popularité. Il conteste. Mais il peut le contester. On n'empêche que, quand on passe dans les rues de Fort-le-France, on discute. Didier Laguerre, c'est un nom qui commence aujourd'hui à dire. Didier, c'est pas Bouglaïeux qu'a voué hier, oui. C'est Bouglaïeux. Mais on ne le connaissait pas avant. On ne le connaissait pas assez. Alors, la vraie question, est-ce que de janvier, là, à l'élection de le 23 mars, est-ce que ça sera suffisant pour que la notoriété minimale, voire la popularité indispensable pour pouvoir être une figure reconnue comme un candidat valide, valable et pertinent pour le PPM va se poser. Voilà, on verra le résultat. Tu veux parler sur ça? Ah ben, j'attendais que tu me passes là. Non, non, je t'en prie. Comme tu es impliqué, donc il y a un conflit d'intérêt magnifique. Non, je n'ai pas de conflit d'intérêt. T'as l'hypocrite, t'as pas parlé comme ça. Non, manifeste. Non, non. Je n'ai pas de conflit d'intérêt et pour répondre par avance à mon ami Eddy Marajo, je ne vais pas employer la langue de bois, ce dont il m'accuse souvent. Non. Moi, je n'ai pas lu le titre de l'article de Gallion de la même façon. Le nouveau maire s'appellera Didier Laguerre, c'est de l'anticipation. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été entendu à l'antenne, qu'à la limite, il faudrait proposer à Gallion une carte du PPM. Ça arrive. Hein? C'est de l'anticipation. Continue. Je ne dis que ça, je dis que c'est de l'anticipation. Nous, dans le progressiste, nous avons été plus prudents. Municipal à Fort-de-France, c'est Didier Laguerre qui conduira la liste progressiste. Mais oui. Bon, c'est pour ça que Didier... C'est pas de la langue de bois. C'est pour ça que Didier Laguerre n'aurait pas dû tomber dans le piège. Non, mais je ne pense pas que ce soit un piège. Contrairement à ce qu'on pense, même si Didier manque de notoriété au sens de la surface médiatique, c'est un très fin limier politique. C'est un très fin limier politique. Alors, bon. Donc ce n'est pas par hasard qu'il a répondu. J'ai lu l'interview aussi. Ce n'est pas par hasard qu'il a répondu comme cela. Ouais. Maintenant, la façon dont les choses se sont passées, c'est effectivement dans la toute transparence, la plus grande transparence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu à certains moments des tensions. Ce qui est tout à fait normal. Mmh. D'accord ? Il y avait plusieurs candidats qui pouvaient prétendre à être adoubés, on va dire, par le comité national. Mmh. Je rappelle simplement que le comité national du PPM a choisi Didier Laguerre à l'unanimité et à main levée. Mmh. On s'en fout, ça c'est votre problème. Ça, c'est... Ah non, mais ce n'est pas notre problème. Il faut bien choisir un candidat. Non, parce que pour la réquisition de Serge Letchimy, ça s'est fait à bulletin secret et il y a eu quelques abstentions, ou quelques noms, je m'en rappelle. Quatre noms. Ouais. Hein? Bon. Donc, ça veut dire que ça se fait dans la transparence et qu'il y a... C'est au terme d'un certain nombre de discussions. Quand on parle de la dernière semaine où ça s'est accéléré, c'est vrai que c'est une question qui était déjà sur les rails depuis des mois. Oui. Et Letchimy lui-même a pris le temps de la réflexion, de tout examiner. Donc, Didier Laguerre, Catherine Conconne et France Taudia et autres savaient qu'un jour ou l'autre, la question se poserait. Donc, ils s'y préparaient également. Et Catherine Conconne explique son choix. France Taudia a fait un communiqué où il explique aussi son choix. D'accord ? Donc, je veux dire que, n'en déplaise à ceux qui sont amoureux des combats de coq, il n'y a pas eu de combat de coq. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de coqs qui voulaient aller au combat non plus. Oui, aussi. C'est-à-dire, la mairie de Fort-de-France, faut quand même dire la vérité. Être le maire de Fort-de-France va se révéler là, à nouveau, et encore davantage, un véritable parcours du combattant. C'est pas une sinécure. Ça va être, c'est sévère. Hein. Je me pose à moi une question. Est-ce que quand il dit que dans son programme, toujours ces questionnements perfides de Gabriel Gagnon, je voudrais que les Foyalais soient fiers et heureux d'habiter la ville. Ça veut dire, au contrario, qu'ils ne sont pas fiers et qu'ils ne sont pas heureux d'habiter la ville. Tout le monde sait que la ville perd des habitants. Il voudrait que Fort-de-France soit bouillonnante et pacifiée. Ça veut dire que Fort-de-France n'est pas bouillonnante et puis qu'elle est en guerre. Quand il dit que le Foyalais n'est plus peur, ça veut dire que maintenant il existe une peur mais incroyable à Fort-de-France. Et que le trafic de drogue... Que le Foyalais n'est plus peur. Et que le trafic de drogue soit...
éradiqué. Mais oui, mais ça existe. Bon, ça veut dire que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que comment doit tout pas tout, même à la cour de la mairie. Bon, que la ville montre la voie, qu'elle joue son rôle de capitale. Ta fille, c'est bon. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... C'est la feuille qui nous intéresse. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... Il va apprendre son métier de politique. Il est diplômé, il est ingénieur, je crois. Il va devenir au service d'Amartic. Il sera un homme utile, et je l'incite à persévérer. Mais il faut quand même travailler un petit peu ces questions-là. Voilà. Madame, monsieur, nous avons donc passé une heure avec des gens de haut niveau. Parce que ton invité n'a pas beaucoup niveau. De mots à dire. Et le temps des dérisions et de la moquerie de Gérard. À la même chose la semaine prochaine. Au revoir.